vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo try-on. En fait, j'ai fait une commande sur Shein. J'ai passé ma... Ben, j'ai fait 3 commandes sur Shein. Je pense que la première, je l'ai faite le 8. Les deux autres, je les ai faites genre environ au 13. Shein m'a envoyé, j'ai pris la livraison normale. Shein m'a tout envoyé jusqu'à Montréal en fait, entre le, dans les environs du 27, 28, 29. Puis après ça, Canada Post a pris le reste en charge et c'était le zoo. J'étais supposée de recevoir genre entre le 1er et le 3, finalement j'ai reçu entre le 15 et le 20. Mon dernier colis est rentré, je crois, hier. Aujourd'hui on est le 23, donc il est rentré. Non. Oui, hier, c'est ça, hier, on est dans le midi. Il est rentré le 22. Fait que ça a pris un bon gros mois et même plus, un mois et quelques semaines. Mais bon, bref, Canada Post, un petit peu de misère avec ses livraisons. Sinon, je trouve que Shein, en fait, c'est ce qu'il dit et ce qu'il promet, c'est correct. C'est normal aussi avec ce qui se passe. Mais bref. Donc, j'ai commandé des accessoires, du linge, une housse de couette. Je pense qu'on va commencer. Je commencerai par la housse de couette. C'est bien lourd, c'est arrivé comme ça, très bien emballé. Là, j'avais dit que j'allais prendre des ciseaux. Hein? Attends, il y a un petit coup. Carambole. Là, on va voir les papiers, là, hein, à cause du miroir. C'est arrivé comme ça, dans un petit sac, comme tout bon haut chien. Ça arrive dans des sacs. J'entends. Là, je vais vous le mettre une fois mis sur le lit. C'est sûr que j'ai pas encore la couette qui va dans la housse, là, fait qu'il y aura peut-être pas autant de volume. Mais en fait, ah, c'est. Oh, ce sont des deux bandes. J'ai pris un petit modèle comme ça, marre, noir, gris, avec un petit peu de blanc et des lignes dorées. Ça a fait avec ma déco, puis je voulais pas trop de blanc, parce que j'ai des animaux. C'est trop bien. Fait qu'on a les deux têtes d'oreiller. Justement, on va avoir la couette là-dedans. Qu'est-ce que ça va avoir un zipper si j'ai pas vu? Le zipper est ici. C'est très grand. J'aime le fait que ça soit vraiment les deux côtés, que même si je puisse la tourner, pas qu'il y ait un côté blanc et un côté avec des dessins. Fait que comme je vous le dis, ça je vais vous montrer une fois fini sur le lit. Donc on va continuer avec les accessoires. En fait, c'est ça, j'ai fait une commande de linge, puis là, je m'en voulais. Je me suis dit, oh, je peux commander les accessoires pour tester. Fait que, ben, j'ai fait une commande. Puis comme ça, je crois, la livraison gratuite est à partir de 50$, ben, j'ai acheté pour au moins dépenser 50$. Comment ça, le premier article, il n'est pas dans les mêmes sacs. Je l'imaginais plus beau. Fait que, en fait, c'est un petit sac à dos avec des bandes de couleur arc-en-ciel. Je l'imaginais plus petit, puis moins large, plus un peu plus comme si on coupait un peu les contours. Là, c'est sûr qu'il n'est pas rempli. Là. Il est noir à l'extérieur avec une pochette ici qui ne se ferme pas. Mais sinon, en tant que tel, il y a une bonne grosseur là, quand tu veux traîner beaucoup de stock. Puis il est fin, mais tu sais, pour ce que je vais en faire, anyway, je pense que ça va. Les bretelles sont réglables, je devrais être capable de pouvoir me mettre dans le. Oui! Anyway, pour le bris, en fait, c'est sûr que j'aurais peut-être aimé qu'il soit un petit peu plus épais, mais sinon, en tant que tel, pour le bris, ça va. Ah, je suis toute contente, j'ai une pochette. J'avais commandé, si je me souviens bien, 3 paires de lunettes. C'est sûr que c'est mon. Déjà, c'est moins mon style là, du fait que sont transparents, ce sont mes yeux, mais bon, ça, je m'y attendais un peu.
qui est plate, c'est qu'il y a vraiment un gros X de gratiner directement son bas là. C'est vraiment un gros X. C'est comme poil en extérieur. Après ça, ils ont quand même un petit vagué, c'est côté qui fait bizarre. Ouais, quand je regarde en bas, je vois rose, quand je regarde en haut, je vois bleu. Là, son croche, je sais pas si mes oreilles m'ont bien ou si c'est les lunettes qui. Prochain article. Je suis vraiment contente parce que la dernière fois que j'avais commandé chez Zafoul. Je sais, j'ai jamais mis la vidéo, mais bref, j'avais commandé des lunettes puis j'avais pas eu de pochette. Je trouve ça dommage parce que moi, mes lunettes, après ça, j'ai pitché un peu n'importe où, ils finissent tout gratinés puis là, je m'en rachète tout le temps d'autres. Fait qu'au moins, eux autres, ils vont être serrés. Ils vont rester un petit peu plus belles, hein, puisqu'en tant que telle, la première est déjà graffinée, puis je les ai même pas encore portées. Je les ai essayées. Donc, tous eux, ils ont une forme bizarre. Ils ont un petit cœur avec une clé sur le côté. Ils ont des cœurs au bout. Ça, c'est moins. Mais sinon, c'est vrai, aucune graphine sur ça. Sur ce. Cette croche, eux autres sont là. Je pense que c'est moi qui ai mis les croches. C'est vrai, moi j'ai pas fait. J'ai peut-être aussi les yeux croches. Sinon, même affaire que tantôt, bleu en haut, rose en bas. T'sais, je m'attends pas que ça soit foufou pour le soleil, mais ça a du style. Fait que, mais sinon, je trouve qu'ils me vont bien. Bon, premièrement, il est sur ma classée, mais je trouve que ma classée est vraiment pas épais. Là. C'est ça. Ça fait cheap un peu. Premier hic. Sinon, ça s'ouvre comment? Ok, ça s'ouvre avec une petite chose qui est tout tombe. La petite pochette là, je la trouve plus comme beige que blanche. Je sais pas si tu vois. C'est pas le même blanc là. C'est une chance que quand c'est. Ben. Non, ça va aller en plus. C'est quand même dommage pour ça. Sinon, à l'intérieur. L'intérieur c'est brun, ça n'a pas de. Il n'y a pas de pochette, il n'y a rien. C'est bon, il y a un nœud dans. Fait que seulement, si j'ai bien compris. On peut porter soit comme ça, avec une petite chaîne. Comme ça avec la grosse chaîne. Sinon, en tant que tel, tu sais, il est beau. C'est juste plate que le blanc n'est pas la même couleur. Puis que ma classée, il fait vraiment cheap. Il est vraiment pas épais. Mais sinon, en tant que tel, c'est un beau sac, mais je suis quand même déçue. C'est comme, ici, il est sale. Puis tu vois, là, il y a comme une formation ronde, mais mal faite. Je suis déçue un peu. Et, dernière article. Toujours dans une petite pochette. Je pensais qu'ils étaient œil de chat, mais ils sont pas tant œil de chat. Ils sont multicolores, ils sont croches. Ici, là, il y a un défaut de métal qui va voir couper, parce qu'en plus, c'est coupant. Sinon, je sais pas, mais je le sens moi-même que quand je les ai mis, ils penchaient. Mais les petites affaires au nez sont pas hyper bien formées, il va falloir que je les arrange moi-même. Ouais, mettons qu'on me dit que je les arrange et qu'ils sont rendus bleus. Mais en même temps, je pense que ouais, c'est le bras ici, parce que je le sens qu'il est en vrai. Mais sinon, je les aime, on voit pas mes yeux en plus. Mon chat me fait comme. Ah ouais, c'est ça, on va être en deux, ça va être plus facile. Fait que sinon, ben, c'est ça, on voit pas les yeux, fait que moi, j'en ai pas. Donc on continue avec mon petit colis, parce que quand tu fais des commandes, je pense qu'ils ont plusieurs entrepôts, fait que des fois il y a un certain morceau qui est pas dans cet entrepôt-là, ils vont t'en envoyer sur un autre colis. Fait que moi c'est con parce qu'ils m'ont envoyé une pièce à part, je le dis. Un sac dans un sac. Un beau sac, chien. Qu'est-ce que je cherche, c'est un petit.
body. Quand je prends le temps de regarder, il ressemble à l'autre. Il a de l'air un petit peu transparent, par exemple. Puis, on a des petits... Parce que ça, personne ne le dit. Mais moi, s'il n'y en a pas, je les porte pas. Donc, il y a des petits crochets. Fait que, on va essayer, puis on se voit bien. Après 45 minutes, j'ai vraiment de la misère à attacher les trois boutons. Sinon, je me sens serré dedans. Je sens que c'est du small. J'ai tout pris en small parce que soit il n'y avait pas de small, soit j'essaie de me fier aux tailles, mais en même temps, je suis pas encore prête à m'afficher avec du médium. Je suis pas encore prête à me dire que je fais du médium. J'ai tout pris en small, mais en même temps, je me suis quand même fier aux commentaires. Je le trouve un peu petit, mais en même temps. Je pense que ça va, là. Ouais, il est pas mal. Il y a pas de l'air trop, parce que j'en ai un qui est small. Tu sais, quand tu le regardes, il y a vraiment de l'air, c'est comme tout écrasé, puis ça paraît. Donc, tu sais, comme je trouve qu'il y a pas de l'air trop étiré sous moi non plus. Je disais transparent, j'ai une brassière noire, on la voit pas au travers, puis il y a comme du doré dedans, on le voit pas non plus. Fait qu'en tant que tel, les manches sont quand même belles, là. Le tissu est étiré un peu, mais je pense que c'est portable, là. Ça fait l'affaire, pour le prix que j'ai payé. On va prendre un bon colis. Oh là là, il y a quoi, j'ai chaud. Ok. Ah, ben on commence avec une petite paire de shorts noirs. Je me cherche une paire de shorts noirs moulantes parce que je déteste quand c'est ample. J'espère qu'il va être quand même assez long parce que je pense qu'il va avoir le cul à l'air. C'est hyper stretch. Mm-hmm. Bon, nickel. Ils sont stretch là, ça c'est ça full pin. Je pousse à l'air dedans. C'est un tissu très fin, que je pense pas que tu vas avoir full chaud parce que l'été on s'entend avec. Pour les fesses. Ouais, mais tu sais, c'est quand même assez long. Ça remonte comme d'habitude. Puis là, ben oui, j'ai de la cellulite, ok. On est pas parfait, là, oui. Mais sinon, non, j'ai trouvé les boutons pour l'instant, ils tiennent. Fait que. Non, j'aime. Non, une autre paire de shorts. Fait que j'aime ça. Ouf! Et maintenant, ça c'est parce que j'ai une couple de paires de shorts dans la même, puis j'aime vraiment ça vu que tantôt j'ai dit que je voulais pas des affaires ample, mais les autres sont ample. Karen, elle se comprend pas. Mais ça j'aime ça, fait que c'est ça. Puis, mais surtout que, tu sais, mes gros skis, ils paraissent moins, pas vraiment. En tout cas, je voulais une paire de shorts noirs dans ce style-là, passe-partout, parce que là, celle que j'ai, soit est rose, soit est jaune, je m'avais dit. Mais c'est un tissu fin. Les petits bretelles, là, ben, les bretelles, les choses qu'on a des ceintures, c'est pas gros, la ceinture non plus est pas gros. J'ai peur un peu que ce soit transparent, mais du noir, c'est toujours moins pire. Fait qu'on va essayer. C'est dégueulasse. C'est dégueu, hein. C'est les gens de petites shorts avec les professeurs d'éducation physique qui ont, là, genre. Je pense plus rien, ma vie. C'est dégueulasse! Vraiment, c'est 4 fois trop grand. C'est vraiment pas beau, là, c'est grand. C'est ça, ça a l'air à des shorts dédus. Genre, ça doit être des petites shorts cute. Ça a l'air à des shorts dédus. Mais si, il est dégueu! Oh, j'ai même pas pris le temps de mettre la ceinture comme ça, ça m'a acheté des Je l'avais fait en ce moment aussi, mais non, là, le tissu, il est dégueulasse. Ça, c'est un tissu. Dégueu, je sais pas si. Mais c'est dégueu. C'est crissement, c'est lustré, c'est pas beau. Ça flatte aucun rien, non. On va essayer de changer ça parce que. Ça va être beau avec tes belles petites shorts. Ça peut plus tellement le porter. Non, je me souviens d'avoir pris. Je me souviens pas tant d'avoir pris ça. Si j'avais pris ça, je pensais que c'était vert, ce que je cherche, pas noir.
Anyway, c'est hyper transparent, là, si tu mets ça genre en dessous d'un maillot, là, je vois full bien au travers. On va essayer. Ah, puis si vous voyez, j'ai pas mis un coup de soleil, j'ai des belles lignes blanches, puis je suis en train de pleurer. Ben, je suis pas fanée. Ça, avec ma prochaine moi, ça passe, mais j'aime pas vraiment les deux, voilà, le fait que, je sais pas, je suis pas tant fanée. Peut-être que je suis plus fanée moi-même, ça peut-être... Ouais, peut-être si je le rentre vraiment, mettons, on le rentre et on laisse un peu baggy là, avec peut-être une jupe, là, taille haute de couleur, ça pourrait avoir du style, mais porter de même, non. Bon, t'inquiète avec les coups. J'ai commandé, c'est un lot de 3 brassières, ça en venait vraiment pas cher. Ben, 3 brassières, c'est... Tu sais, je me suis toujours dit des fois, quand tu veux porter un petit quelque chose transparent ou même juste ça, je pense que c'est pas ça. Donc j'ai pris ceci. J'ai un peu de misère à enfiler parce que là, tout s'enroule ensemble, fait que c'est pas tout tout. Sinon, je sais pas si c'est moi, on dirait que c'est pas égal là. Ou en même temps, j'ai un plus beau 5 l'autre. Je sais pas si c'est déjà ça ou pas. Sinon, en tant que tel, là, ça fait beau, là, ça descend un petit peu bas. Là, c'est sûr qu'il va falloir couper l'étiquette, mais tu sais, je pense que ça fait beau. Puis comme je disais, au pire, tu sais, une petite camisole transparente ou même là, des fois un débardeur que tu fermes pas complètement, vous avez même. Je trouve que ça passe, là, c'est, on est hyper bien dedans. Il y a une petite coque, fait que tu sais qu'on a des seins. Puis je trouve ça sexy. Puis comme je vous dis, on avait en blanc et en noir. Puis tu sais, avec la coque et tout, je pense pas qu'il y ait rien de transparent. Fait que c'est top. J'ai vu du lumière, je me demandais c'était quoi. Mais à chaque fois que je me demande, vraiment je suis pas grand, ça j'avais vraiment peur. Je l'ai vraiment pris en noir. À chaque fois je me pose la question. Ok. Ça fait une longtemps ça m'a. Qu'est-ce que j'en prends? Pas comme ça. Ça a été dur enfilé, finalement, c'est bel et bien à ma taille. Je pense que c'est quand même moulant, fait que faire attention aux bobettes. J'aime peut-être moins un peu le fait que ça vient rond. Mais en même temps, comme ça, ça cache bien les fesses. Parce que moi, tout descend, tout remonte, fait que ça doit avoir tendance à remonter un peu. Sinon, j'aime bien, ça fait ligner longtemps, mais... Oui. C'est sobre, là. C'est passe-partout, c'est sobre. C'est quand même assez bas, fait que tu t'as pas les fesses à l'air, t'as rien. Fait que je pense que oui, là. C'est pas. C'est enfin vert. Je savais que j'avais commandé du vert. Ça, c'est la deuxième robe. Je la voyais pas de même sur un aussi. Parce que c'est une robe ample en genre fond triangle. Ah, elle a des poches. Mmh. On va voir. Hyper facile à enfiler, ça va, il n'y a pas de problème. Ça a très bien été. Est-ce que j'aime? Je pense que ça fait robe décontractée en fait. Je sais pas si j'aime ou pas. En fait. Est-ce que vous avez un commentaire à dire sur cette robe, mon cher monsieur? Ben, ça fait léger. Dans les gros journées chaudes, ça se porte bien. C'est pas, on dirait que j'aime.
Bah, c'est une habitude à prendre. Je pense pas que t'en aies beaucoup dans ton garde-robe. Premièrement, je trouve qu'il manque un petit peu de qualité. Deuxièmement, la chose s'appelle. Je sais pas, c'est le petit triangle, elle a vraiment l'air de celle-ci. Je trouve que c'est bien mieux. Mais tu sais, je pense que c'est ça. Si, mettons, des fois, il fait beau, chaud, tu peux pas une grosse sortie, mais tu vas aller traîner dans le cours, ou même sortir à l'état des courses, tu vas être. Il y a même les poches et tout, je pense que oui, mais je sens plus ni moins, je suis pas tant famille. Encore du noir. Ouais, bon. Ça, c'est des leggings de sport, vraiment. Je vois peut-être pas ma main au travers, mais le tissu. Je vois mon chum au travers. Le tissu fin. Les découpes, c'est pas si pire. C'est pour du sport à la maison. Ils ont de l'air courte. Oh, plus c'est une grosse crise dans le monde. Ah, la ligne est vraiment pas centrée. Bon, c'est loin d'être une réussite. Là, j'ai même pas la ligne du cul à bonne place. La ligne du vélo non plus, ça m'écrase full pin. C'est ça, je trouve ça beau. En plus, on voit pareil mon tatou, mais dans tout ça, j'ai vu qu'il y avait des dessous un peu dans le show. Sinon, en tant que tel, on voit pas mes bobettes qui sont rondes. Mais ça reste un tissu beaucoup trop léger. Si on compare avec celui que j'ai à la maison, là, il rend une belle et hyper épaisse. Je trouve que oui, c'est léger, on s'entend que c'est une porte chaude, ça va faire. Mais je sais pas, là. Probablement, ça va prendre 4 ans, 15 minutes. C'est pas fun. Oh oui, ça c'est mon petit coup. Oh oui, ça c'est mon petit coup de cœur! Bon, j'espère que va faire. J'ai pris un petit. Oh, il y a celle qui vibre. Excusez, on revenait à ma déception. Si j'avais vraiment un coup de cœur pour ça, le rouge, tout, mais là, je vois vraiment au travers. Oh, je vois au travers des deux couches, fait que ça sera pas portable. Ça va être le petit pot. Comme ça, et je vais l'essayer. Ouais, je sais pas si c'est bon, on dirait que les couleurs ça vont bien. C'est juste un petit. Mais je trouve ça dégueu. Là, je vois pas au travers en tant que tel, vite de même, là, mais je suis sûre qu'au soleil, tu vois tout. Là. Mais ça, je trouve qu'il est trop baggy, qu'il est trop ample un peu. La coupe est pas belle. Là. La coupe elle me fait pas, puis pourtant j'en ai d'autres des choses de même, ça me va. Puis le haut, ben je le trouve pas beau, puis il est vraiment inconfortable. Il me serre, je trouve pas. J'ai de la misère à le mettre, là, je me sens tout poigné des bras, puis tu sais, je pense pas qu'une taille plus haute va. Oui, ça va être plus grand, je vais peut-être être moins serré, mais tu sais, je trouve pas l'ensemble beau, là. Puis c'est vraiment un coup de cœur, j'avais vraiment hâte, tu sais, je m'avais dit, je vais le porter dimanche, mais dimanche, je sais pas ce que je vais porter, mais c'est pas ça. J'ai commandé beaucoup de noir, mon gars. Ah oui, je m'en souviens. On s'entend que c'est pas trop. C'est un tissu un petit peu comme les cuirs de tantôt. Ça, je suis moins fan. Fait qu'en fait, c'est un gilet avec un petit découpe transparent. Ben, un gilet, c'est un body. Puis il y a les petites attaches. Je vais aller essayer ça et je vous dis. Ok, donc ça donne ça. En fait, premièrement, le tissu est zéro extensible. On est ici, on est dans le bas quand j'essaie de l'attacher. Ça. Après ça, le tissu, c'est un tissu qui tout ce qu'il y a de forme et de doigt. Fait que c'est sûr que ça prend de la fièvre, genre 100% lié ça. Pas de petits détails, pas de rien. Parce que là, on voit tous les petits détails. J'aime pas tant le tissu. J'aime ça ici, mais j'aime pas tant le tissu. C'est pas un tissu que j'aime. Je trouve la coupe carrée, ça fait un peu bizarre. J'aime moins ça. Mais sinon, en tant que tel, c'est quand même
qui est quand même beau, là, il va faire l'affaire, mais c'est vraiment le fait que ta brassière ou qu'elle aille revenir. Mais sinon, tu sais, il est pas inconfortable, genre, il ne rentre pas dans la. Puis tu sais que t'es pas capable de rien faire, toi. Je le trouve correct, hein. Sans plus ni moins, ça passe. Je prends quoi? Genre, je vois tout le temps au travers. Je suis capable de tout voir l'écriture. C'est grand. J'ai pris. Ah, c'était pas drôle. Oui, mais j'ai pris un small, mais je l'aurais préféré plus moulant. Tu sais que moi, je. Mm-hmm. J'aime pas tant les choses amples. C'est. Mais me l'air grand. Ok, ça m'a dit ça. Je trouve les manches longues un peu. Mais je pense que c'est le style qu'elle aime aussi. Finalement, c'est pas tant ample, là. Ça suit pas les courbes, là. Mais genre juste bien je trouve ma grandeur, ma grosseur, ma largeur, ma taille. C'est sûr que si tu lèves les bras, ça vient voir le cul et voir la poitrine, mais sinon en tant que tel, si tu t'arranges pour pas lever les bras, tu vas vraiment des. Parce que j'en ai deux qui sont plus moulants, qui sont plus hauts ton corps, je pense. Fait que tu peux rien faire, tu peux même pas pencher. Tu penches moindrement, il y a moyen de faire de quoi pour pas que personne ne voie rien. C'est toujours ça, les bras qui sont un peu stretch, qui ne sont pas trop. Mais sinon, je suis contente. Ça, c'est mon style. Ok, ça va être mon style. Oh non, ça nous va dire. Ça fait que ça, c'est un autre body un peu dans le style du gris, juste plus simple. Puis je pense que. Je vais ouvrir ça là, depuis tantôt que je passe à côté, tant qu'elle est là. Parce que ça, j'essayerai pas pareil. Oh, je suis presque rien finalement de voir. Ok, ça c'est la machine. Je pensais que c'était ouvert, ça là. Fait qu'en fait, j'ai commandé un. Je voudrais pas un biscuit de lingerie, une brassière bobette là. Mais... C'est vraiment en dentelle transparente, fait que tu peux pas avec ça n'importe qui. Et après ça, on a la bobette. Si je me souviens bien, la bobette, elle monte sur le corps en fait. Ben, je vais mettre une photo parce que je suis pas sûre d'être capable de mettre ça moi-même. Il me reste le dernier morceau là, je pense que je vais essayer ça, vu que ça aussi c'est une robe, puis après ça j'essaierai le body. Ça c'était un deuxième coup de cœur, puis j'étais vraiment pas sûre de la prendre à cause du décolleté, vu que j'ai pas de sein. Puis je n'ai pris ça, puis dans le sens des deux articles que j'ai pris coup de cœur, je pense que c'est les articles qui m'ont coûté plus cher, là, qui étaient à proche de 30$. Dommage, pour l'instant, c'est tout de suite. Fait qu'on va essayer ça. Bon, est-ce que je disais avec la caméra courte? Ben, je m'en souviens plus. Mais je suis pas sûre. Oui, je disais qu'avec peut-être une autre ceinture. J'ai fait une autre commande d'un autre truc que vous allez voir plus tard. Je sais pas comment monter les ceintures. Ça va bien dire, parce que la seule ceinture que j'ai est vraiment épaisse. Ben, ça, ça prend pas. Mais je sais pas, quand j'aurais peut-être aimé peut-être que le haut soit plus ample un peu, ou c'est moi qui ferais que soit plus ample, je le porte pas comme il faut. J'aime bien les manches. Le tissu est quand même assez, par exemple. Donc, c'est chaud. Je trouve la jupe, ben, la robe courte un peu, mais habituellement, tant que ça ne dépasse pas le haut de la tête de bord, ça passe. C'est toujours mon repère. Mais ça, c'est surtout le haut que je suis pas sûre. T'sais, il est comme ample un peu ses côtés. Je sais pas si ici, il faudrait que ça soit ample aussi. Fait que, est-ce que j'en remets plus un peu ou pas? La ceinture a de la misère à tenir où ce qu'elle devrait être. Je sais pas. En même temps, ça me sort un peu de ma zone de confort. Je les trouve vraiment belles sur le mannequin, mais genre, je porte pas ça habituellement. Là. C'est vraiment le haut qui me dérange en fait. Je sais pas trop comment il devrait être, mais sinon, en tant que tel, c'est pour quelqu'un qui aime ça. Peut-être quelqu'un qui a plus de poitrine. Peut-être que c'était plus de sein. Je suis mitigée. Fait que, on va essayer le dernier body. Donc, voilà! Je sais pas, je pense que peut-être les bodyfuck que j'ai pris dans ma vision, je les trouve un peu serrés, tu sais, qui
peut-être prend pas assez de temps de bien mouler tout, puis qui est comme un petit peu trop. Mais sinon, en tant que tel, il est beau, j'aime la couleur, en plus, moi qui tripe ce jour. C'est sûr que par exemple, il moule encore très bien les brassières, fait, t'sais, on voit très bien les petites découpes. Mais sinon, en tant que tel, je trouve que. Très bien. Ça fait une petite ensemble comme ça. Juste que, peut-être, comme je dis, peut-être que médium ça a été. Que je le trouve un peu collé là, à la chair. Ça a peut-être été mieux médium, mais je pense que c'est pour ça. Puis il y a les petites couches en bas. Donc, c'est ça. La commande, j'en ai eu pour au total, la première c'était 250, aujourd'hui j'ai racheté pour 50, j'ai racheté pour 70, donc pour une affaire dans 300 quelques dollars. La première est bonne, c'est déjà 50. Ça tournait autour de 300 dollars. Au moment que vous avez 50, que vous achetez pour 49 dollars, les livraisons sont gratuites. Puis il y a plein de codes promo qu'on peut utiliser, genre à l'achat de temps, vous avez un temps, pourcentage de rabais ou moins de 10 $, ça fait comme ça. Comme je vous avais dit au début, le transport ça a été mitigé, mais je pense que c'est plus Canada Post qu'autre chose. Côté vêtements, il y a des déceptions, puis il n'y a pas de déceptions. C'est sûr que ça reste toujours qu'on ne peut pas essayer les vêtements, fait, tu le sais pas, tu y vas comme tu le sens. Moi, ben, comme j'ai dit, j'ai peur de prendre du médium. Après ça, c'est sûr que c'est pas toujours pareil à ce que le mannequin porte. Ça, c'est sûr aussi. Fait que ma plus grosse déception, en fait, c'est le ticket rouge. Je suis vraiment dessus. Puis les shorts noirs en tant que tel. Il y a peut-être les culottes de sport aussi qui sont un petit peu décevantes. Mais encore là, c'est portable. Je peux les porter. Tandis que le noir, je peux le porter. Là, le petit pantalon, le petit short noir, on s'entend que c'est dégueulasse. C'est vraiment, vraiment pas beau. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé ce haul. Si des fois vous voulez commander, ben, prenez toujours le temps de bien vérifier les commentaires, le guide de taille. Puis si vous avez peur de prendre du médium comme moi, ben, je suis désolée. Sinon, je ne pas tout ça. Bref, donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez liker, commenter et vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!